Alors c'est officiel, W Series capoute, capoute pour 2022, mais ils veulent revenir en 2023 quand même. Est-ce qu'ils y arriveront? J'ai quelques doutes personnellement. Donc elle était titrée hein, Jamie Chadwick. Troisième titre pour la pilote féminine. Catherine Bondemuir, directrice de la discipline, confirme qu'il est possible de couronner Chadwick sans terminer la saison. Selon notre règlement, nous avons besoin de 6 courses pour compléter le championnat. Nous avons eu cette course, donc oui, Jamie est maintenant championne de facto. C'est risible. Franchement, imaginez en F1 ça arriver quoi. Avec des dettes de plus de 8 millions d'euros, la discipline était tout simplement à court d'argent. Mais des fonds devraient arriver pour 2023. Nous avons reçu des offres de plusieurs personnes, mais le problème est que pour lever des fonds, il ne suffit pas de secouer un arbre à argent. Je suis extrêmement confiante quant au fait que les W Series seront toujours présentes l'année prochaine. Nous allons certainement courir à nouveau l'année prochaine, espérons-le, aux États-Unis. Bon. Voili-voilou. Championnat qui se meurt, hein, W Series, il faut le dire. Peut-être que le problème que Jamie Chadwick domine trop aussi, ça pose problème. Il n'y a aucune concurrente hein, à elle. Elle les explose toutes, donc ça peut poser quelques soucis. Et puis perso, je regarde jamais cette course, que, enfin, c'est nul en fait. Les voitures n'avancent pas, il n'y a pas de bataille. C'est un championnat au rabais quoi. Donc je sais pas si ça reviendra l'année prochaine, mais de toute façon, ça changera rien, je ne regarderai pas personnellement. Et vous alors, est-ce que cette discipline vous intéresse? Ciao ciao!